Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière bande dessinée sortie par Blizzard concernant World of Warcraft et l'avancée de l'histoire de Warcraft, avec notamment un recueil spécialisé autour de Jaina Prodmore. Donc on va faire la lecture ensemble, puis ensuite on en parlera, on analysera un petit peu toutes ces nouveautés concernant Jaina Prodmore, donc l'héritière de Kul'Tiras. Alors, Terramor, quelle ironie de me retrouver dans ces ruines déambulant parmi les fantômes. Quel meilleur dirigeant pour une cité perdue qu'un dirigeant qui s'est lui-même égaré. On dirait que tous les chemins que j'ai pris me ramènent ici. À Dalaran, j'ai coupé les ponts avec le Kirin Tor après la réintégration de la Horde. Comment mes collègues ont-ils pu ignorer le fait que ces bêtes ne sont pas dignes de confiance? J'ai quitté mon cher Kalegos, le seul qui puisse vraiment me comprendre, pour aller combattre les démons seuls, dépendantes de personne et sans personne, et qui dépendent de moi. Ce fut libérateur, salutaire. Mais je me sens mes responsabilités et mes obligations me rattraper, et ce n'est qu'une question de temps pour que la Horde nous trahisse à nouveau, comme elle l'a toujours fait. Les squelettes de Terramor me rappellent mes actes passés et mes échecs. Je me suis laissé dire que mon empathie était ce qui faisait ma force, mais quand Garrosh, Hellscream, a anéanti mon peuple, j'ai été bien naïf de laisser la justice et la tolérance guider ma pensée. Même avant cela, j'aurais pu neutraliser la Horde à Undercity avec l'aide de Varian si je l'avais voulu. Mon désir de paix a été une faiblesse, que l'ennemi s'est toujours fait un plaisir d'exploiter. Je ne serai plus jamais si stupide. Aujourd'hui, je me demande ce que le monde serait devenu si je m'étais battu aux côtés de mon père. Si j'étais resté auprès de lui quand la Horde a tué Derek, est-ce qu'il en aurait été moins aveuglé par la colère? Si j'étais revenu l'aider après la Troisième Guerre, aurait-il écouté mes conseils? Aurions-nous pu œuvrer ensemble pour détruire la Horde quand le moment s'y prêtait? Voilà des années que j'ai lu de ces questions. Je ne peux plus les ignorer. Le moment est peut-être venu d'y répondre. Peut-être qu'après tant d'années, je devrais rentrer chez moi. Boralus, capitale de la ville-état de Kul'Tiras. Lors de la Deuxième Guerre, il s'est battu pour défendre l'Alliance, son foyer, sa famille. Et après la Troisième Guerre, quand il a appris que sa fille était en péril, il a pris la tête de sa flotte, notre flotte. Il a jeté ses navires à sa poursuite pour la sauver, elle et sa ville, des ravages de la Horde. Nous étions sous ses ordres, Majesté! Nous nous rappelons! C'était le meilleur des hommes! Et quelle fut sa récompense? La trahison de celle en qui il avait le plus confiance! La chair de sa chair! Qui complota avec les dirigeants même de la Horde, puis qui resta les bras ballants au moment où ils l'assassinèrent. Une traîtresse! Voilà ce qu'elle est! Mort à Jaina! Mort au traître! Il mérite encore pire que la mort! Leur haine. Mandaelin bien-aimé n'était certes pas parfait, mais c'était un grand homme, l'un des meilleurs que nous ayons connus. Il était conscient du prix de son opposition à la Horde et il n'a jamais hésité à le payer. Il savait que toute paix avec de pareils monstres était une chimère. Il est mort pour préserver notre liberté. Il a donné sa vie pour Kul'Tiras. Kul'Tiras ! Kul'Tiras ! Kul'Tiras ! Je n'ai voulu arrêter la guerre que pour épargner des vies. C'est pourquoi nous honorons notre plus brave guerrier qui n'aurait jamais permis qu'on nuise à son peuple. Prodmore ! Prodmore ! Prodmore ! Mais j'ai épargné les mauvaises personnes. Et aujourd'hui, cet endroit, ces gens sont aussi perdus que moi. Puis-je avoir votre attention, Madame Proudmore? Qu'y a-t-il, Amiral Copland? Si sa seigneurie n'y voit pas d'inconvénient, je lui expliquerai en retournant au château. Lui expliquer quoi, Amiral? La famille Malvois n'a même pas daigné paraître aujourd'hui. Chaque année, de moins en moins de ses prétendus nobles sont présents. Que voulez-vous me dire? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous pensions que la destruction de la Légion Ardente scellerait la paix. Mais les relations entre la Horde et l'Alliance ont déjà recommencé à se détériorer. Ce n'est guère étonnant. Mais cela ne devrait pas nous inquiéter. Kul'Tiras ne fait plus partie de l'Alliance depuis des années. La Horde est sur le sentier de la guerre. Elle se moquera bien de nos déclarations de neutralité. Et je vous assure que nous ne pourrons pas éviter le conflit. Je suggère donc de renouer des liens avec l'Alliance. Non! Quand nous lui avons demandé son aide pour venger le meurtre de Daelin, l'Alliance nous a craché au visage. Quémander une assistance alors que nous ne sommes même pas attaqués serait un aveu de faiblesse. Et je ne suis pas faible.
Loin de moi cette idée. La preuve en est que notre marine est à nouveau parmi les plus puissantes. Mais sans votre respect, nous devrions peut-être oublier le passé et considérer l'avenir. Cela pourrait même impliquer de tendre la main à quelqu'un qui serait prêt à défendre Kul Tiras comme il défendrait son foyer. Vous voulez dire elle ? Amiral, le bruit des canons vous aurait-il rendu sourd ? Non, Dame Corsandre. Dans ce cas, comment avez-vous pu ne pas entendre ce que Sa Majesté vient de dire au peuple ? J'ai bien entendu. Et pourtant, vous suggérez que nous invitions la grande archimage, Jaina Prodmore, sauveuse d'Azeroth, ici. Que nous accueillions à bras ouverts le serpent qui a délibérément laissé la fine fleur de Kul Tiras se faire massacrer. C'est donc ça, votre conseil ? Il suffit. D'une certaine manière, je me sens responsable pour Jaina. Enfant, elle était déjà à part, brillante, et sans une once de méchanceté. J'ai remué ciel et terre pour que la vie lui soit douce. J'ai dû tenir tête à Daelin pour qu'elle puisse être formée à Dalaran. Oh mère, je ne savais pas. Mais j'ai oublié de lui inculquer l'humilité et la loyauté envers les siens. Si je pensais qu'il reste quoi que ce soit de cette douce enfant... Je parlais sur un plan purement militaire, bien sûr. Veuillez m'excuser. Nous ne tendrons la main à personne, amiral. Kul Tiras protégera sa population. Monsieur, qu'allons-nous dire ? Qu'allons-nous faire ? Vous avez entendu Dame Port-Vaillant. Désolé, j'y arrive pas. Vous avez entendu Dame Proudmore. Nous combattrons avec l'effectif dont nous disposons. Kul Tiras fera face seul. Non. Pas seul. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui concernant, bien sûr, cette bande dessinée. Alors, je l'avais déjà fait pour Overwatch. J'avais eu des retours plutôt bons pour un petit peu analyser, voir un petit peu ce qui avait été fait dans le lore. Donc, c'était des épisodes un petit peu spéciaux. C'est pas des histoires d'un héros, c'est juste des débriefings, des bandes dessinées. Et à la limite, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on voit un petit peu les anciennes, même par exemple les anciennes bandes dessinées, pas que les nouvelles, mais aussi des anciennes, par exemple celles sur... sur Black End, etc. Bah, n'hésitez pas à me dire, c'est vrai que ça peut toujours être intéressant. À la limite, je pourrais peut-être essayer de faire le comics aussi, où il y avait Varian, Valyra, etc. Ça peut être une idée, donc n'hésitez pas à me donner vos retours concernant cela. Après, bon, la lecture, au départ, je vous avoue que j'ai toujours un peu hésité pour la lecture, parce que bon, bah, si vous avez le lien, je mettrai le lien, bien sûr, de la bande dessinée dans la description, vous pouvez le lire tout seul. Donc, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est la deuxième partie, cette partie qui va commencer, celle concernant l'analyse de la bande dessinée, les points essentiels, les points importants. Donc, par rapport aux événements de Légion, c'est une transition, bien entendu, cette bande dessinée est là pour faire la transition entre Légion et Battle for Azeroth, et on y apprend que Jaina, je rappelle que moi j'ai beaucoup de mal avec le traitement de Jaina dans World of Warcraft, au moins elle a eu le droit à un traitement, hein, même si j'ai du mal avec le traitement, contrairement à d'autres personnages. Mais Jaina, moi qui ai beaucoup joué à Warcraft 3, etc., je ferai de façon une vidéo, alors ça sert un peu de teaser aussi, hein, mais ne soyez pas trop teasé non plus parce qu'elle n'arrivera pas tout de suite, mais je vous ai déjà parlé hein, que je ferai une vidéo concernant les 10 grandes raisons qui me font ne pas apprécier le lore de World of Warcraft, et du coup, Jaina bien entendu sera impliquée là-dedans, mais Jaina... Donc elle avait quitté le Kirin Tor lors des événements de Légion puisqu'elle ne souhaitait pas faire la paix avec la Horde. Je rappelle que depuis que Garrosh Hellscream a détruit Terramor, vous savez Terramor cette petite bourgade, Terramor eh bien nous avons tout simplement donc Jaina qui autrefois était la défenseuse de la paix entre l'Alliance et la Horde puisqu'elle avait combattu aux côtés de la Horde lors de la Troisième Guerre et elle avait pu côtoyer les grandes figures de la Horde que sont Thrall, Cairn mais également Vol'jin et du coup connaît très très bien la Horde, elle connaît pourquoi ils se battent, quelles sont les raisons. Le problème c'est que toujours il y a eu un clivage entre la Horde et l'Alliance parce qu'on n'arrivait pas à dépasser nos vieilles querelles et on n'arrivait pas à voir le côté humain, même si c'est pas que des humains, mais le côté humain de chaque individu et les intérêts de chaque peuple. Et au final, Jaina, justement, elle, si elle œuvrait pour la paix entre l'Alliance et l'Horde, c'est qu'elle avait pu côtoyer Thrall de très près et elle avait pu voir qu'en fait, bah, les orques... C'est des humains, hein. Enfin c'est comme des humains, ils ont les mêmes buts, ils ont les mêmes besoins, ils ont les mêmes demandes, ils voulaient vivre en paix et Jaina le sait
Tout à fait, et c'est, elle connaît très très bien, et elle s'était liée d'amitié à tel point que pendant un moment il y avait une rumeur comme quoi Thrall et Jaina pouvaient peut-être être ensemble. Finalement, bon, Blizzard n'a pas souhaité aller vers ce point-là, mais à un moment donné, c'est vrai que ce point pouvait être très pouvait arriver, étant donné que si vous connaissez un petit peu l'histoire de Warcraft, je vous avais parlé un petit peu du chef de la rébellion dans Warcraft 3, chef de la rébellion et Warcraft 3. Et je ferai de toute façon une vidéo un jour spéciale Thrall, parce que c'est un de mes personnages préférés. Thrall, lors de sa jeunesse, a eu une liaison d'amour avec une humaine. Et c'est pour ça que lui-même, Thrall, qui a toujours, les orques ont toujours été aussi en clivage avec les humains, Thrall avait servi de maillon qui pouvait un peu lier les deux factions. Et au final, Thrall a eu justement cette liaison d'amour avec une humaine, et pour ça aussi que ça a laissé un... potentiellement le terrain, on va dire, à une entente, à une idylle entre Jaina et Thrall. Finalement, ça n'a jamais été le cas, mais dans tous les cas, on comprenait qu'ils étaient fortement amis. Donc c'est vrai que ça m'amène au traitement, bien sûr, de Jaina. Je suis obligé d'en parler, même si je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Le traitement de Jaina dans World of Warcraft est aux antipodes de tout ce qu'elle a été. Alors, bien entendu, elle a vécu un traumatisme, hein, la destruction de Terramort par Garrosh Hellscream. Mais Jaina, sa mère le dit elle-même dans la BD, c'est une enfant très brillante, très intelligente, elle a toujours combattu pour la paix, et elle, plus que quiconque, a su justement sortir de ces amalgames, sortir des sentiers battus pour voir l'once d'humanité justement qu'il y avait dans la horde naissante à l'époque, hein, qui composait, je le rappelle, les orques, les taurennes, les trolls, les ogres et les gobelins. Warcraft 3, Frozen Throne. Du coup... c'est vrai que elle sait exactement que tout est une question d'individu. Elle-même l'a vécu. Est-ce que parce qu'Arthas a massacré son peuple, etc., est-ce qu'il faut condamner l'humanité en entière, dans son entièreté? Non. Elle sait très bien que c'est les actes d'une personne qui ont... que ce sont les actes d'une personne qui ont voué à ce massacre. Je rappelle que Jaina a subi des traumatismes dans sa vie, et Terramort, certes, c'est un traumatisme, mais au final, il est plus petit, ce traumatisme est plus petit que la destruction complète des royaumes de l'Est. Je veux dire, on a eu la Légion Ardente lors de la Troisième Guerre qui a massacré tout le monde. Tout le monde a été massacré. Et au final, ou alors en tout cas, ont été chassés, et une énorme partie de la population a été tuée. Notamment par son amour l'amour de sa vie, Arthas. Donc c'est vrai que c'est une situation un petit peu délicate où, au final, Jaina a subi déjà d'autres traumatismes, mais elle avait vu que c'était les actes d'individus. Elle-même est très intelligente et consciente qu'il y a des personnes saines d'esprit dans la Horde. Donc, condamner les agissements de la Horde pour une personne qui est Garrosh Hellscream, c'est trop facile en fait, c'est trop facile dans le traitement de Jaina. Ça c'est, voilà, c'était la parenthèse que je voulais ouvrir. Mais personnellement, moi j'ai beaucoup de mal à accepter le fait que Jaina devienne l'anti-horde par excellence à cause des agissements de Garrosh. Alors certes, Garrosh a massacré son peuple, etc. Mais bon, hein, entre parenthèses, peuple Terramort qui avait été oublié depuis Vanilla. Hein, je rappelle que moi j'ai connu World of Warcraft Vanilla, la bourgade de Terramort c'était plus petit, c'était presque aussi grand que Goldshire. Donc faut arrêter les conneries, deux minutes. Terramort qui a complètement été oublié par les développeurs de WoW, qui devient waouh, incroyable au final, Jaina. Enfin, j'ai du mal à accepter ça, j'ai du mal à accepter ça. Des choses très intéressantes sinon. On a l'officialisation de Derek. Derek qui était le frère aîné de Jaina et qui avait servi dans l'armée de Kul Tiras lors de la Deuxième Guerre. J'y viendrai, je ferai une vidéo spéciale Warcraft 2 comme je vous l'ai déjà dit. Du coup c'est très intéressant parce que le frère de Jaina a toujours été laissé là. On savait pas trop si c'était officiel ou pas. Warcraft Chronicles 2 n'avait pas répondu à cette question d'ailleurs. Comme à beaucoup de questions d'ailleurs, le volume 2 n'a pas répondu à grand chose. Mais Derek au final n'avait pas été officialisé. Ça y est, grâce à cette BD c'est officiel. Le frère aîné de Jaina est bien mort lors des événements de la Seconde Guerre. Ce qui était super important pour justifier justement les actes de Daelin Prodmoor, le père de Jaina. Et Daelin, justement, lui, à cause de ça, avait été aveuglé, justement, comme Jaina. En plus, c'est horrible parce que cette BD va dans mon sens, où Jaina se rend compte que son père a été aveuglé par la colère. Mais quand vous êtes vous-même aveuglé par la colère, quand vous êtes dans cette hystérie et que vous êtes énervé contre quelqu'un, en fait, pour vous, tout ce que vous faites,
c'est... Mais pensez à Anakin Skywalker dans Star Wars 3. On a l'impression qu'il se comporte comme un abruti parce que nous, on est dehors, mais lui, il est entêté, il reste dans sa connerie. Quand vous essayez de convaincre un abruti qui est entêté, vous avez l'impression qu'il est débile parce que, bah oui, il reste entêté. Et au final, Jaina, elle se rend compte que son père a été entêté. Mais si toi-même t'es entêté dans ton truc, tu te rends pas compte que quelqu'un d'autre est... Enfin, je sais pas, il y a des éléments qui vont un petit peu... qui se contredisent légèrement. Est-ce que... Donc voilà, en gros... Après, c'est intéressant parce qu'elle essaye de calculer justement est-ce qu'elle aurait dû prendre les armes lors des événements de Frozen Throne avec son père contre la Horde, sachant qu'à cette époque-là, il n'y avait absolument aucune raison qu'elle prenne les armes contre la Horde. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait aidé Thrall à combattre son père, parce que son père, c'était qu'un... Parce que là, il est dépeint comme quelqu'un d'extraordinaire. Son père, c'était un chien fou. Alors, Daelin, c'était un très grand chef de guerre, un grand amiral, etc., bien entendu. Hein. Mais ça n'empêche que c'était un grand boucher qui a massacré des orques, des populations civiles d'orques, de trolls et de tauren. Pourquoi ? Parce que bah, voilà, c'est la deuxième guerre. Disons que Daelin, c'était une épave suite à la mort de Derek. En gros, il a perdu toute trace de... Enfin, c'est une relique du passé, Daelin. C'était la relique du passé des événements de Frozen Throne avec, voilà, regardez certains qui n'ont pas changé et qui sont restés comme avant. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans Frozen Throne, les événements, on n'avait pas trop d'infos sur Kul Tiras, mais on avait quand même le sentiment que justement Daelin était pas venu pour aider il était venu pour aider Jaina, mais surtout il était venu pour s'installer en Kalimdor. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dans les événements de War 3, Daelin dit bien qu'il va s'installer et reconstruire l'Alliance en Kalimdor. Et c'est très étonnant étant donné que si on écoute et qu'on voit ça, Kul Tiras se porte très très bien. Ça me fait une transition intéressante étant donné que comment se fait-il que Kul Tiras soit en si grande forme ? Kul Tiras, j'ai pas envie de montrer de cartes, etc. Mais Kul Tiras, déjà qui a grossi énormément hein, entre les événements de War 2, War 3, et parce que Kul Tiras était quand même censé être à peu près aussi grand que Gilneas, ça soulève un point. Alors je vous laisse aller voir la vidéo de Sam Vostok sur les cartes qui est quand même très intéressante et qui montre quelque chose d'important, c'est que la carte originelle de Vanilla, donc de WoW Vanilla, et qui est maintenant toujours la même, hein, je parle pour les éléments donc Kalimdor et le continent d'Azeroth, hein, les royaumes de l'Est, qui n'est pas du tout respecté à l'échelle en fait. C'est-à-dire que alors pour Kalimdor ça se sent moins, mais pour les royaumes de l'Est ça se sent énormément. Il y a des zones qui devraient être très très grandes et qui sont toutes petites, les développeurs l'ont dit eux-mêmes. Le problème c'est que ce point se soulève quand on voit la taille des îles à l'heure actuelle par rapport au continent. Les îles sont quasiment des semi-continents et c'est un énorme problème parce que à Kul Tiras, ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'elle se situe donc à l'ouest de Gilneas. Ça a changé, hein. La carte de Kul Tiras et Gilneas a beaucoup changé. Mais au final, je vous rappelle que Gilneas, je vous laisse aller voir la vidéo sur les Worgen que j'ai faite et sur Gilneas, sur Greymane et Gilneas. Au final, Gilneas a subi de plein fouet le cataclysme, avec notamment une partie des terres qui a été ensevelie sous la marée, et qu'il y a eu un raz de marée qui a tout détruit. En fait, tout part du point d'impact qui est au niveau du Maelstrom et le cataclysme a commencé du Maelstrom. Si Kul Tiras est devant Gilneas, comment se fait-il déjà que le tsunami emporte une partie de Gilneas s'il y a Kul Tiras sur le chemin ? Ça veut dire que si ça touche Gilneas, c'est-à-dire que Kul Tiras elle est sous l'eau quoi. C'est un peu ça qu'on doit se dire. Au final, non. Mais du coup, alors ça veut dire que Kul Tiras, elle a pris en pleine poire l'invasion de la Légion Ardente dans War 3, elle a pris en pleine poire le cataclysme et donc un raz-de-marée comme pas possible, et ensuite, l'invasion de la Légion Ardente, c'est vrai que c'est con que j'ai pas prévu de carte, mais elle est pas loin des îles brisées au final, Kul Tiras, donc du foyer d'invasion de la Légion Ardente. Comment se fait-il que Kul Tiras soit redevenu une puissance maritime comme pas possible avec ces trois événements? Et je n'ai pas joué à la bêta de Battle for Azeroth, j'espère qu'ils répondront à ces questions, mais de ce que j'ai vu, le territoire a l'air plutôt sain, etc.
alors qu'ils ont subi deux invasions de la Légion Ardente et le Cataclysme. Comment peut-on m'expliquer comment Kul Tiras est aussi bien portant en fait? Enfin, regardez juste Ashen Vale, qui n'a subi que, enfin, au final, que la troisième invasion, sachant que la première avait laissé des traces avec des satyres de partout, etc. La deuxième invasion, bah, vous avez Fellwood, vous avez, enfin, c'est corrompu de partout. Comment, alors que bon, il y a les archidruides, etc., qui sont tous en train de bosser depuis 30 ans pour essayer de contrebalancer la contamination. Comment se fait-il que Kul Tiras soit propre comme un sous neuf, quoi? Faut pas déconner. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'étonne énormément. À côté de ça, un autre argument aussi intéressant, c'est que justement, donc la mère de Jaina, qui est devenue donc Lady Prodmer, donc la Dame Prodmer, qui explique que justement, l'alliance lui a craché au visage à l'époque où elle a demandé justement une assistance pour aller affronter la Horde. Ce qui est très étonnant. Je rappelle que Kul Tiras faisait partie de l'alliance de Lordaeron. Donc l'alliance de Lordaeron, c'est les 7 royaumes humains, ainsi que les nains, bien entendu, de Khazad-dûm et les elfes de Kel'Thalas. Les hauts elfes de Kel'Thalas, d'ailleurs, pour être précis. Et au final, les deux factions humaines à avoir quitté l'alliance de Lordaeron, bon, bien sûr, il y a Alterac parce qu'elle a été détruite, mais ensuite on avait Gil'neas, je vous laisse aller encore une fois voir la vidéo sur Gil'neas. Gil'neas et Kul Tiras qui ont d'ailleurs été très très proches, mais j'y reviendrai après. Donc on a cette situation où Gil'neas avait quitté, ainsi que la nation de Stromgarde, donc Stromgarde et Kul Tiras, Stromgarde et Gil'neas qui avaient quitté l'alliance. Kul Tiras, sur le papier, n'avait pas quitté l'alliance. Hein. Donc ils ont quitté l'alliance plus tard. C'est un petit peu étonnant. J'avoue là-dessus, bon, à la limite on peut dire pourquoi pas. Mais les raisons pour... Alors déjà, contrairement à Zandalar, parce que c'est pas... si jamais il y a une BD qui sort sur Zandalar, on en reparlera. Mais Zandalar est bien mieux travaillé que Kul Tiras à ce niveau-là, étant donné que Zandalar a été tease. On peut reprocher tout ce qu'on veut de World of Warcraft. Moi-même, je reproche beaucoup de choses à World of Warcraft. Mais Zandalar a été tease depuis très longtemps. Depuis les événements de Burning Crusade, où malheureusement Zul'jin a été très très maltraité. Il a été complètement maltraité. Il y a justement eu des événements qui ont tease les Andalari, donc les trolls de la province, de la faction principale. Je vous laisse, si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez voir la vidéo sur Zul'jin et les trolls. Mais en gros, la faction de Andalari avait été justement tease et ingérée dans les affaires des autres tribus trolls. Donc en gros, Zandalar est tease depuis un moment. Et on sait que Zandalar, elle est présente sur les cartes depuis le début de Wovania, c'est déjà présent. Par contre, si on suit le raisonnement de Kul Tiras, Kul Tiras n'a pas du tout été abordé. Le seul truc de Kul Tiras qu'on voyait, c'était les restes de l'armée de Daelin, ou plutôt j'ai envie de dire de la flotte de Daelin, qui était pas loin de Razor Hill, donc en Durotar. Mais à côté de ça, Kul Tiras, que nini, on n'en a pas entendu parler, il n'y a eu absolument rien, et pourtant les trajets de navires que vous regardiez entre Kalimdor et les Royaumes de l'Est passaient complètement à l'endroit où il y a Kul Tiras maintenant. Donc... Kul Tiras, qui est une puissance maritime, Kul Tiras, qui s'était allié dans la Horde, dans l'alliance pardon, de Lordaeron, c'était aussi parce que bah justement, c'est une nation maritime, donc elle fait du commerce. Donc une faction qui se ferme comme Gil'neas, d'accord, il y avait le mur qui avait été construit, etc., d'accord. Mais une nation maritime ne peut pas se baser sur un isolationnisme, pardon. Donc, c'est très étonnant qu'il n'y ait pas eu de contact. Je veux dire, quand t'es une nation maritime, t'as besoin de faire du commerce, en fait. Hein, parce que justement, t'es sur une île, t'as pas toutes les ressources, en fait. Donc, c'est très très étonnant. Et surtout qu'en plus, à la limite, moi je veux bien y croire. Ils aient affronté tout eux-mêmes, l'invasion de la Légion Ardente, l'invasion des deux, les deux invasions de la Légion Ardente et le Cataclysme. Allez, on va dire pourquoi pas. Déjà, comment tu te reconstruis sans commerce? Et à côté de ça, enfin, faut pas déconner, genre l'alliance, enfin je sais pas, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à cerner le truc, parce que même s'ils ont réussi à tout contrer, tout défier là-dessus, comment tu redeviens la nation principale sans faire de commerce en fait? Ils disent qu'ils deviennent justement, ils se sont reconstruits, qu'ils ont de nouveau une flotte absolument superbe, d'accord, mais sans commerce c'est impossible en fait. Tu peux pas te reconstruire de trois énormes crises qui ont détruit des continents, etc.,
Tu dis, regardez l'état de Gilneas quand même. Regardez l'état de Gilneas à l'heure actuelle. Gilneas qui était une faction très forte de l'Alliance. Hein. Kul'Tiras n'a jamais été une des factions principales de l'Alliance. Hein. Ça a toujours été Lordaeron. Gilneas avait les moyens de rivaliser. On avait Stromgarde qui était... Kul'Tiras, Stromgarde, ça valait un peu. Quoi. C'était, on va dire, en 3e, 4e position. Bon, Kul'Tiras semble très très forte quand même. Hein. C'est le gameplay, c'est magique. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu étonnant. À côté de ça, c'est vrai que quelque chose qui m'étonne, c'est ce qu'a dit justement la mère de Jaina, qui est justement, voilà, l'Alliance a refusé d'aider. On sait que entre la guerre entre la Horde et l'Alliance, la situation a parfois été, on va dire, tendue, parfois calmée. Au final, on a vu parfois, par exemple, je vous laisse aller voir l'histoire de Varian, mais Varian a été justement aussi, pendant un moment, Varian voulait se venger de la Horde, etc. Parce qu'il avait été, rendu esclave de la Horde. Donc pour lui, les orques, c'était tous des cons. Et c'est Jaina justement qui a calmé ce moment-là. Mais au final, à le moment où Varian rentre en guerre, l'invasion de la Pandarie, où la Horde et l'Alliance n'ont jamais été aussi à couteau tiré, enfin, ce serait une aubaine pour Kul'Tiras, en mode, ah bah oui, bah on se rejoint à vous, si on est si haineux comme ça contre la Horde et pour venger Daelin, bah à ce moment-là, oui, ce serait le moment justement de rejoindre l'Alliance, en fait. C'est très étonnant, c'est très 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 étonnant, même enfin, que Kul'Tiras n'ait jamais été abordé, c'est une erreur des développeurs, ça c'est certain, depuis WoW Vanilla. Mais là, vraiment, je pense que le traitement, ce sera juste... Comme WoW l'a fait pendant je sais pas combien de fois et sur je sais pas combien de sujets, ça va être. Moins on en parle, moins les joueurs vont se poser de questions. Mais Kul'Tiras, c'est vrai qu'il y a quand même une grande part d'incohérence, malheureusement, même si ça me fait plaisir, moi en tant que joueur de War 2 et de War 3, ça me fait super plaisir bien entendu de retrouver Kul'Tiras. Je trouve que, en plus, c'était une occasion parfaite de revoir justement Jaina rejoindre Kul'Tiras. Il y avait une question qui s'ouvrait, c'était est-ce que la phase d'agressivité, de bestialité de Jaina contre la Horde, ce n'est pas juste une passe et ça se corrigera par la suite. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Et au contraire, Jaina va retourner à Kul'Tiras, donc pour boucler la boucle en étant avec les anti-Horde depuis très longtemps. Donc, on verra par la suite, mais c'est vrai que Jaina n'est pas du tout sur une phase de rémission, bien au contraire. Et Kul'Tiras qui en veut à la Horde. J'ai envie de finir cette vidéo sur... Bon, déjà, il y a eu pas mal de points. Points, je dirais, un petit peu incohérents. Mais à côté de ça, quelque chose qui est très important, c'est que le traitement donc de BFA, j'ai envie de conclure sur en ouvrant un petit peu les questions. C'est vrai que Kul'Tiras, il y a pas mal de choses bizarres par rapport à l'arrivée de Kul'Tiras hein, que j'ai pu évoquer. Mais à côté de ça, on a cette situation où la Horde et l'Alliance se sont alliés face à la troisième invasion de la Légion Ardente. Tout s'est bien passé et maintenant c'est la guerre. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse. Tout sera dans un livre normalement qui devrait sortir, ce qui est quand même un petit peu, je trouve, étonnant que tout se raconte dans un livre. Alors que les conflits vont être dans le jeu, donc c'est un peu quand même dommage, surtout que maintenant avec autant de phasing, je veux dire à l'époque de Vanilla où c'était de la merde, etc. Je comprends qu'à l'époque de Vanilla où il n'y avait absolument pas les moteurs narratifs, etc. Tout ça, qu'on sorte l'histoire sur un livre, je peux comprendre. Mais maintenant il y a du phasing, il y a des trucs super, et les raisons de la reprise de conflit entre l'Alliance et la Horde qui seront dans un livre, moi j'avoue que j'ai du mal. Mais... ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on sait que ça sera qu'une passe. On sait que ça sera les conflits Alliance Horde. Là, c'est une extension PVP, mais il y a un moment donné, on sait déjà qu'il y a un DTA qui est revenu, Goom là, le ver de terre là, qui est pas content. Mais on sait que maintenant que la Légion Ardente a été mise hors d'état de nuire, les grands adversaires, c'est les Seigneurs du Vide et probablement d'autres éléments aussi, mais les Seigneurs du Vide. Et au final, il va falloir de la cohérence. Et si jamais tu veux pas faire une extension tournée sur le vide, même s'il y aura probablement le retour on sait déjà qu'il y aura le retour d'Ashara, etc. Donc le vide va clairement déplacer ses pions. Mais à côté de ça, si jamais tu veux avancer, on va dire, l'histoire, bien entendu, c'est un peu faire du Game of Thrones avec tes propres factions et instaurer de la géopolitique, etc. Le souci de faire ce genre de choses, c'est que si t'es pas cohérent une seconde, ça marche pas, en fait. Ça marche pas du tout. Et pour le moment, cette cohérence, j'ai un petit peu peur, parce que...
à Kul Tiras. Encore une fois, ça fait super plaisir de redécouvrir Kul Tiras. Mais déjà que BFA est un peu bancal au niveau de du pourquoi le conflit repart, Jaina, c'est déjà bancal depuis très longtemps. Et maintenant que Kul Tiras arrive, c'est un peu bancal quoi aussi. Donc on verra, peut-être que beaucoup de questions que je pose vont être répondues dans le jeu. Mais c'est quand même assez étonnant, c'est quand même assez étonnant. Et au final, certains avaient justement teasé le fait que Jaina allait peut-être redevenir la Jaina qu'on connaît depuis War 3. Il semblerait que non, même si c'est pas dit, peut-être que ça se calmera et qu'elle-même va se calmer. J'avoue que j'ai de l'espoir encore pour Jaina. Vous me connaissez, si vous suivez un petit peu mes lives, vous le savez, moi j'ai beaucoup de mal avec le traitement de Jaina de World of Warcraft. Quasiment tout chez elle a été raté dans WoW en fait. J'expliquerai plus avant, même si je l'ai un peu fait, j'expliquerai plus avant dans une vidéo spéciale. Mais voilà, Jaina, la BD est cool. J'ai bien aimé aussi certains graphismes, par exemple le moment où pour les cultiraciens, on voit justement la Jaina qui aurait été calculatrice, froide, qui aurait laissé son peuple massacrer. Alors je sais pas si c'est une erreur ou si c'est voulu d'ailleurs, mais Jaina était blonde dans les événements de War 3. Jaina était blonde et on le voit ici d'ailleurs, là on la voit totalement blonde, etc., etc. Là par exemple on la voit blonde au moment où Daelin est tuée par Rexxar. Et au final, dans ce passage là, on voit une Jaina avec les cheveux blancs et une mèche blonde. Alors je ne sais pas si c'est une erreur graphique ou si c'est juste pour montrer le côté froid et calculateur de Jaina par le point de vue par la population en fait. Est-ce que ce serait ça, ce qui est très drôle aussi parce qu'encore une fois c'est jouer avec ce que t'as fait quoi. C'est-à-dire qu'elle est froide et conne. Et je trouve ça intéressant parce que c'était... Alors soit c'est une erreur, je pense pas que ce soit une erreur. Je pense que c'est voulu le côté froid et sans cœur qui est apparu justement avec la destruction de Terramor quand elle a eu les cheveux blancs là. Donc je trouve ça marrant de voir ça avec un Rexxar bouché et un Thrall qui sourit en voyant ça alors que pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je vais aller voir les... Ah mais non, c'est vrai qu'il faut que je la fasse aussi la vidéo sur Frozen Throne, on y reviendra plus tard. Mais du coup, c'est... J'avoue avoir beaucoup de questions. Je sais pas pour vous, en tout cas moi voilà, cette BD je la trouve très sympathique, même si elle soulève des points. Moi l'officialisation de Derek me fait énormément plaisir pour le traitement de Daelin, parce que Daelin c'est beau être un boucher anti-horde absolu, un extrémiste. Au final, la mort de Derek, etc., montrait pourquoi il a sombré dans les regrets, dans les remords, etc. Et je trouvais ça très intéressant. Voir aussi les alternatives qu'aurait pu avoir Jaina, on va dire. Je trouvais ça très intéressant. L'officialisation de Derek me fait très plaisir. Alors artistiquement, il y a des trucs un peu bizarres. Il y a des traits comme par exemple là où Jaina, certains traits qui sont un peu bizarres, d'autres qui sont très bien réussis comme celle-ci. Et la fin avec la nouvelle armure de Jaina qui est très très belle. Par exemple, ce trait là, je le trouve très bizarre. Par exemple, ce trait là, je le trouve très très bizarre. Mais au final, ouais. Beaucoup de questions autour de Kul Tiras. Et pour revenir encore une dernière fois, Kul Tiras est très très allié. C'est vrai que c'est le point que j'ai oublié. Quand justement l'Alliance ne s'est pas alliée avec Kul Tiras, n'oublions pas que Gilneas était une nation très très proche de Kul Tiras. Gilneas et Kul Tiras se sont toujours très très bien entendus. Et notamment bah, Daelin et Greymane. Donc au final, que les liens soient fermés alors que Greymane était très proche de Kul Tiras, clairement il aura un rôle à jouer dans BFA pour faire en sorte que Kul Tiras rejoigne l'Alliance. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. Je trouve ça très étonnant. Gilneas et Kul Tiras ont toujours été très proches. Et en gros, les griefs qu'avait Greymane étaient un peu les mêmes qu'avait Daelin. Donc c'est un petit peu étonnant, mais on attendra d'avoir plus de réponses. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup de questions, beaucoup de théories et de questions soulevées. Maintenant, je sais qu'il va probablement y avoir, dès que j'attaque un petit peu World of Warcraft, je sais qu'il y a forcément une arène de gladiateurs qui va s'ouvrir dans les commentaires. Je répondrai à un maximum, bien entendu. Mais bah, j'aimerais avoir votre avis concernant cette BD. Je la trouve plutôt sympathique, même si voilà, il y a beaucoup de choses qui pour le moment sont sans réponse ou en tout cas des incohérences qui sont pas forcément encore répondues, je dirais. Donc voilà, si vous avez plus d'infos, vous avez joué à la bêta de BFA, etc., et que vous avez pu voir peut-être le fléau de l'invasion de la Légion Ardente, les
s'il y a des stigmates de ça, mais c'est vrai que c'est très étonnant, je trouve, le traitement de Kul Tiras, même si fallait pas s'attendre à autre chose. Pendant 15 ans, on n'a pas vu Kul Tiras, elle revient comme par magie, et très souvent, Blizzard essaye de poser, de soulever le moins de questions possible pour y répondre le moins possible, et moi, ça me pose problème, moi, ça me gêne. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos retours, sachant que je vous ai posé plusieurs questions, donc n'hésitez pas à y répondre, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.